peux pas faire même temps. Oui. Les autorités françaises ont mené une politique qui était une politique qui a été totalement déconnectée de la réalité, une politique qui portait les stigmates de la colonisation, ultra-ethniciste, qui n'a pas vu effectivement que le Rwanda pouvait s'en sortir et a, au fond a accentué, je veux dire, la crise ethnique, s'est alignée sur le régime du président Habyarimana, qui était un régime raciste, hein, qui n'a pas réussi à retirer Habyarimana des extrémistes. Comme nous, on était du côté des Hutus et que les Hutus étaient en train de se comporter avec toute la grâce et la gentillesse d'un bataillon de SS mal organisé, évidemment, on n'a rien fait pour les aider. Mais en même temps, tous les contacts politiques sont restés. Pendant le temps du génocide, ils sont venus à Paris. On les a reçus à l'Élysée. Bon, alors on ne les a pas aidés, mais on ne les a pas marginalisés non plus. Que la France ait une responsabilité accablante dans le génocide des Tutsis, c'est une évidence. Cela est déjà connu des spécialistes et à l'association Survie, nous essayons de le faire savoir au grand public le plus possible. Parler d'aveuglement, c'est plus problématique. Les responsables politiques et militaires de l'époque étaient parfaitement informés du génocide, tant de sa préparation que de son exécution.